Hey, salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Anime Time. Aujourd'hui, un nouvel animé. Aujourd'hui, c'est Defrag ou Defragments. C'est le même animé, donc je pense que je vais l'appeler Defrag en titre. Donc c'est parti en deux petites minutes. Kazama Kenji aime croire qu'il est un délinquant et arrive à le faire croire aux autres. Le gang de Kenji va croiser le chemin d'un groupe de 4 jeunes filles pas tout à fait normales, qui sont Chitose, Sakura, Minami et Roka. Quelle que soit la réputation de Keiji, elle n'est rien comparée au comportement scandaleux de ces jeunes filles. Embarquées de force à rejoindre leur club, quelles en seront les conséquences sur sa vie de tous les jours? Donc on va suivre tout au long de l'aventure et bien comment Kenji va supporter ces 4 jeunes filles, va peut-être faire des choses avec elles, je ne sais pas. À vous de regarder, vous verrez bien. Alors, Defrag ou Defragment est un animé décomposé en 12 épisodes de 24 minutes environ chacun, qui nous vient du Japon, qui a commencé la diffusion à l'hiver 2014, donc cette année-là. Il s'est terminé d'ailleurs le mois dernier, là où je suis en train de tourner. Il s'est terminé le 24 du mois d'avant. Voilà. Donc, le studio d'animation est Brain Bows. Le créateur original est Haruno Tomoya, le réalisateur est Sugawara Seki, et les musiques sont de Matsuda Akito et Nijine. Alors autant vous dire, j'ai cherché un peu ce qu'on fait ce staff, et il est passé un peu inaperçu, enfin c'est un peu un staff méconnu, ils n'ont pas fait grand chose, il y en a même qui n'ont rien fait du tout, c'est leur premier animé je crois. Donc à voir ce que c'est. Et le genre et les thèmes, c'est de l'école, un harem, de la comédie, de la romance, de la school life, de la slice of life aussi. On suit la vie de personne. Donc vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo un trailer ainsi que le lien pour aller voir l'animé. On se retrouve une prochaine fois. Salut à tous!